dépose 1 milliard de francs guinéens pour passer 3 nuits au cimetière. En tant que bon croyant, vous allez accepter ou pas? Limour s'installe confortablement dans votre émission La Bonne Humeur. La question du jour est la suivante. On te propose 1 milliard de francs guinéens pour passer 3 nuits au cimetière. En tant que bon croyant, tu acceptes ou pas? Bonsoir et bienvenue. Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Vous allez bien? Oui, je vais bien, et vous? C'est quoi votre nom, s'il vous plaît? C'est Condé Abou. Comme je m'appelle Luis Condé. Luis Condé. Ouais. D'accord, j'ai une question pour vous. On vous propose 1 milliard de francs guinéens pour passer 3 nuits au cimetière. En tant que bon croyant, vous allez accepter ou pas? Je n'ai pas compris la question. Quelqu'un vous propose 1 milliard de francs guinéens pour passer 3 nuits au cimetière. Non. Ok? 3 jours en fait. Tu es au cimetière, tu passes la nuit là-bas. On te donne 1 milliard de francs guinéens. En tant que bon croyant, tu vas accepter ou pas? Bon, je vais demander d'abord, avant d'accepter ou refuser, je vais demander pourquoi je vais dormir au cimetière. C'est juste comme ça. Pas quelque chose de grand quand même. Juste tu passes la nuit là-bas. Il n'y a pas de difficulté? Non, il n'y a pas de difficulté. Tu passes la nuit là-bas, 3 jours, on te donne les 1 milliard. Bon, 1 milliard. 1 milliard, c'est trop, hein? C'est trop, de. Mais cimetière aussi, quand on passe la nuit là-bas, ça fait peur, hein? Ça fait peur quand même. Non, on fait quoi? Ah, mais là, la question te revient. Mais non. Cimetière, les morts sont là-bas. Tu vas dormir avec eux. Si tu veux, en tout cas, tu dors là-bas. Ça dépend maintenant d'où tu vas dormir. Mais tu vas dormir dans l'enceinte du cimetière quand même. Le pays ne va pas actuellement bien. Donc, je préfère dormir là-bas. Tu vas préférer dormir là-bas. J'ai accepté. À cause d'un milliard. C'est pas pour 1 milliard, mais. Oui, c'est exactement à cause d'un milliard. Écoute seulement. La situation. Non, la situation n'est pas bonne. Donc comme la situation n'est pas bonne comme ça, là, donc on ne peut pas rester comme ça. Tu vois, avec 1 milliard, là, quand je gagne ça. Hein, donc, tu veux faire quelque chose de plus. Non, c'est ce qui va te pousser, la situation actuelle du pays. C'est ce qui va te pousser à le faire. Ouais. Quand tu auras les 1 milliard, là, tu vas faire quoi avec? Ah, Dieu merci. Ça, quand même. Quand je gagne 1 milliard là comme ça, je dis d'abord Dieu merci. Va dire Dieu merci. Dieu merci d'abord. God is one. Ouais. Après maintenant, je vais commencer à réaliser le projet. Donc, je vais d'abord essayer de construire une maison. Après, je vais aussi. Je vais essayer d'ouvrir les entreprises par là pour gagner un peu d'argent et aussi donner quelques pas à ma famille. Mais 1 milliard, tu vas construire maison, tu vas faire entreprise et puis tu vas... Oui, maison qui est, je vais construire maison. Où? Dans mon village. Ok. Je vais construire maison dans mon village et puis... Et s'il faut même à Farana, parce que c'est Farana, je viens dans la ville de Farana, je vais construire là-bas et puis ça va me rester encore un peu. Donc toi, tu vas accepter Féo, de passer la nuit au cimetière. Tu viens passer la nuit, mais si je ne dors pas où? En tout cas, c'est à toi de voir si tu vas dormir. Je viens passer la nuit, je vais accepter à passer la nuit et puis... Donc, ça fait peur, mais... Donc, je vais prier Dieu, mais je vais accepter. Tu auras peur de quoi là-bas? La mort. Rien que la mort, parce que... Les morts ou bien la mort? La mort. Ah, pour toi? Oui, pour moi, la mort. Parce que... Donc, tu as peur de la mort? Bien sûr. Mais même pas au cimetière, tu vas mourir. Tu n'as pas peur de la mort, toi? Non, moi, je mérite juste que le jour Dieu va me reprendre, là, que ça me trouve quand même sur le mais bon chemin. Mais tu as peur? Non, je sais que je vais mourir tôt ou tard. Attends, tu n'as pas peur? On n'est pas là pour parler de ma mort, mais sauf que si je te demande si toi, tu as peur de la mort. Non, ça, quand même, tout le monde a peur de la mort. Aïe! Mais on dirait de titiller aujourd'hui là. Hey, ma soeur, tu seras si on te demande tout de suite là, de mourir tout de suite là où tu es là, et puis tu pars, tu rentres au paradis, tu vas accepter. Hey, je vais titiller. Voilà, donc tu n'as pas peur de la mort. Tu es peur. Ça dépend des circonstances en fait. Non, voilà, c'est pourquoi j'ai peur. Ah, donc tu n'es pas sur les circonstances. Hein? Tu n'es pas sur les circonstances. Bon, bien sûr. Donc toi, tu vas accepter de passer la nuit au cimetière. Bah, quand tu acceptes. Tu sais, avec 1 milliard, c'est pourquoi? Non, 1 milliard francs guinéens, c'est pas. Donc, comme c'est en francs guinéens, c'est pas comme ça, tellement trop. Mais quand on gagne actuellement en Guinée, là, c'est bon.
C'est bon. Ouais. Ah ouais, merci Condé. Ouais, bye bye. Bye. Bonsoir. Ouais, bonsoir madame. Ça va bien? Très bien. Comment vous appelez? Moi, je m'appelle Adama Konatimé. Sûrement, dans le quartier ici, on m'appelle Azaya. Azaya? Tout le monde m'appelle ici Azaya. Quand tu dis Azaya, taximètre Azaya, tout le monde me connaît. Où tu as levé le nom Azaya là? De moi, Azaya là. Le nom de l'artiste? Non, ça c'est mon surnom. Depuis à l'école, on m'a surnommé comme ça. Azaya? Azaya. Donc ça fait longtemps, ça fait combien de temps? On t'appelle comme ça? Depuis 2021. Je ferai la première année à Sonfonia. Donc tu n'as pas fait allusion au nom de l'artiste Azaya quand même? Non, j'étais à l'école, bon, comme on était avec les amis, au fait, on était avec les amis, j'avais une camarade qui était à côté de moi, on s'assoyait sur la même banc. C'est à cause de lui, comme on était liés trop là, on était liés trop, ses camarades nous a dit maintenant, votre couple là, on dirait c'est le couple d'Azaya et Djerikababintou. Ah ça, donc c'est ça. Donc j'ai une question pour vous, pour ne pas aller trop loin. Quelqu'un vous propose 1 milliard de francs guinéens pour passer 3 nuits au cimetière. Si c'est vous allez accepter ou pas? Ah bon. Je vais accepter. Moi je vais accepter ça. Pourquoi tu vas accepter? C'est pas à cause de l'argent. Non mais c'est à cause d'argent. Non, je sais. On est d'accord. Je sais, il y a l'argent à part. De notre côté aussi, je peux dire que même pas la mort, moi-même je sais que je vais mourir. Tu as vu? Je sais que je vais mourir. Je ne vais pas être peur de la mort. Parce que quel que soit, même si je dois là-bas, même si je ne dois pas là-bas, moi aussi je vais partir là-bas. Tu as vu? Donc, tu vas partir là-bas, mais en état mort. Tu vas partir là-bas, mais en état mort. Voilà, maintenant, si tu n'es pas mort, on te propose de partir là-bas, tu vas aller? Parce qu'il y a des gardiens qui font ça aussi. Je suis d'accord, ça je suis parfaitement d'accord. Voilà, moi je vais faire quand même, même pas à côté de la maison, je vais faire. Mais qu'est-ce qui va te pousser à le faire? Bon, comme tu viens de dire là, tu dis on me propose l'argent, toi-même tu sais, même si aujourd'hui, même pas l'affaire de la mort là, aujourd'hui on te dit tout de suite là, je te donne 1 milliard pour te coucher sur la route comme ça là, la voiture vient, faut pas te bouger, mais il ne faut pas te tuer, il vient en vitesse, après il freine, tu vas avoir peur, mais il faut faire ça pour qu'on te donne 1 milliard, ta vie c'est l'argent, il y a des gens qui vont accepter, il y a des gens qui ne vont pas accepter aussi. Si toi tu as 1 milliard aujourd'hui, tu vas faire quoi avec? Bon, je vais investir, parce que j'ai fini. Dans quoi? Je n'ai rien, il y a beaucoup de projets dans ma tête. Comme c'est là, je suis un taximètre. Je peux acheter des motards, je donne à des camarades. Comme ça, de dire que conduisez ça, à chaque fin de mois, vous m'envoyez ça là. Quand le prix de la moto sort, le reste, je vous donne comme ça, comme si j'ai payé comme ça la moto à 8 millions. Je dis, il faut travailler, à chaque mois, tu m'envoies ça. Le prix de la moto sort, maintenant, je te donne comme ça. Comme ça, 1 million ou 2 millions. Ça, c'est mes bénéfices. Le reste, maintenant, c'est pour toi. Tu as vu? Ça, c'est un projet aussi. Donc, tu n'auras pas peur de passer la nuit là-bas? Moi, je n'aurai pas peur. Parce que, même là, là, je cherche l'argent. J'ai mes parents derrière moi. Il faut que je vais me battre pour avoir l'argent. Donc, de toutes les manières, tu vas te battre? Toutes les manières, mademoiselle. Madame, hein? Madame, du moins. Toutes les manières. Je suis capable de faire tout. Merci, monsieur. Merci, madame.